Les cupcakes, on se retrouve, on est le lundi matin, donc on se retrouve dans une nouvelle semaine de vlog. Il est 9h30 et là les enfants vont prendre leur petit déjeuner. Je vous explique, Orphée ne va pas à l'école. Hier j'ai vu qu'il avait quelques lentes dans les cheveux et du coup je vais faire un petit soin préventif maison avec de l'ail et du citron. Ça pue, mais ça étouffe les œufs, etc. Et sauf qu'on n'avait pas de peigne à poudre, donc on lui a fait ça cette nuit, juste pour éviter qu'il y en ait trop ou que ça se développe trop pendant la nuit sur ses coussins et tout. Donc aujourd'hui, ça va être lavage des housses, des oreillers, etc. Et là, Doudou, ce matin, va aller lui chercher un petit produit anti-poux. Donc du coup, je ne l'ai pas mis à l'école. Je vais appeler l'école pour prévenir qu'il est revenu avec des poux. Enfin, des lentes, mais bon, voilà, des poux quand même. Et voilà. Du coup, c'est pour ça que je n'ai pas remis à l'école. Parce que par principe, on ne remet pas un enfant à l'école qui a des poux. Hein. On va faire un traitement d'abord. Plutôt que d'en foutre partout. Voilà. Et par prévention, on en fera un sur Thésée également, qui a des cheveux longs. Moi, niveau cheveux, ça devrait le faire. C'est déjà ça. Donc là, je vais prendre le petit déjeuner et je vous emmène avec moi pour cette nouvelle semaine. Du coup, hier, je vous avais pas montré les cadeaux de Noël de mes beaux-parents. Du coup, ça, c'est un tableau que ma belle-mère a réalisé. Et je l'adore parce qu'il ressemble un peu à la... Enfin, les couleurs, c'est la même chose que la couverture de l'album Shrai de Tokyo Hotel, qui a été mon premier album que j'ai vraiment adoré. Donc, je le trouve vraiment joli, donc elle me l'a offert. Et là ensuite du coup c'est le père Apple qui a fabriqué avec du bois flotté qu'ils ont ramassé pendant leurs vacances et une brique de là où ils habitent, une lampe pour notre chambre en fait avec une petite télécommande pour changer de couleur et c'est des ampoules LED donc ça sera cool. Et elle nous a également fait un cadre comme ça avec des galets et le bois qu'elle a trouvé également pendant leurs vacances avec notre famille en fait, voilà, enfin petite famille un peu zen. Du coup ça ira dans notre chambre là-haut, voilà. Et là on a Discord qui est en train d'aviver ma nouvelle petite orchidée que Doudou m'a offert, du 10. Bon, du coup, par rapport à ce tableau, ce que je vous disais tout à l'heure, c'était cet album-là que je parle. Si vous regardez, je trouve les couleurs, enfin, c'est... Il était fait pour moi, ce tableau, quoi. Du coup, les garçons, ils mangent les yaourts que je leur fais maison. Ils mettent un petit peu de sucre dedans parce que j'avoue qu'on a mis de la grenadine, mais elle se sent vraiment pas, donc c'est pas sucré. Donc on a mis un petit peu de sucre, un peu de chantilly de soja et quelques petits sprinkles de couleurs. Et ils adorent ça. Regardez-moi ces petits desserts faits maison. Ça donne pas envie comme petit yaourt? Re-coucou, je vous reprends un peu à contre-jour, mais j'ai reçu plein de colis. Du coup, je vais les ouvrir avec vous. Je crois que celui-là, c'est un colis que j'attends depuis super longtemps et que je pensais qu'il allait jamais arriver. C'est exact. Ah, je suis contente. Ce sont des mèches pour faire des bougies, parce que je voulais essayer d'en faire maison et tout dans des anciens pots en verre que j'ai, avec des restes de cire et tout. Mais du coup, j'ai pas pu en faire, donc voilà, j'ai des bougies. Enfin, j'ai des mèches, je suis contente. Ensuite... On va prendre celui-là. Oh, trop bien. Attends, je crois que j'en ai commandé une autre. C'est un petit poulpe qui se reverse. Comme ça, il est content. Et comme ça, il est triste. Je suis trop contente. Bon, il y en a un pour Jordan, mais je sais plus si c'est celui-là ou si c'est le tout gris. Là, il y a un deuxième. Je pense que ça, c'est le mien. Oui. Moi, je m'en suis pris. Bah, ouais, je vais avoir deux. En fait, ils me l'ont remboursé, mais ils m'ont renvoyé x2. Ok. Bon, bah. Du coup... J'en ai un rose pour moi. Qui est pas content. Voilà. Et j'en ai encore un autre ici. Comme ça, content et pas content. Du coup. Voilà, je pense que du coup je vais l'offrir à Océane. Et voilà. Il me reste un truc là. Je sais pas ce que ça peut être. Ça va à la poubelle, les garçons. Les petits. Ah bah. Ok. C'est un colis plein de colis. Je pense que je vais avoir reçu quasiment tous mes colis d'un coup. Ça, c'est trop bien. Ouverture de colis. Encore un autre colis. Ah, trop bien. Doucement, les garçons. Donc ça, c'est un nouveau collier.
famille. C'est pas facile. Oh, il est trop beau. J'ai trop hâte de le mettre. Hop. Ensuite, ça doit être les stickers. En fait, c'est trop bien s'il y a des trucs pour Mini, comme ça je pourrais lui donner demain. Oh, ça c'est les miens. C'est les download stickers roses et tout. Je suis trop contente. J'ai l'impression que c'est Noël encore. Il y a des colis qui datent d'il y a un moment déjà. Ah bah ceux-là, c'est ceux de Millie. C'était des stickers Animal Crossing. Attends, c'est mon petit ciseau qui est tombé. Est-ce que ça peut être tout petit comme ça? What the fuck? Un piercing pour le nombril, il est trop beau. Je suis prêt à un piercing les boys parce que je vais me refaire passer le nombril, donc voilà. Et du coup ça doit être un ensemble de sous-vêtements. Non, c'est un t-shirt. Oh, j'aime pas la matière. Ça va être un truc avec un truc floqué moche. Non, ça va, mais la matière est pas ouf. Hein. Bon, voilà. C'est un t-shirt marqué Yes Daddy. Mais il est hyper grand et la matière est super bizarre. Ça sera un joli pyjama. Quoi. Mais là, il m'a l'air vachement transparent quand même. Bref. Voilà pour mes petits reçus, mes petites réceptions du jour. Il me manque encore quelques trucs du coup. Mais je suis plutôt contente dans l'ensemble. J'ai trop hâte. Recoucou, je vous reprends, il est 14h15, les garçons vont aller à la sieste. Moi j'ai fini mon montage de mon vlog qui sort vendredi. Je suis en train de faire le montage du vlog du retour de course qui sortira la semaine prochaine. J'ai reçu mes colis du coup et là je vais ouvrir mes stickers pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans parce que je suis une grosse curieuse. Et en voulant jeter mes colis, je me suis rendu compte grâce à Thésée qu'il y en avait un que j'avais pas ouvert et du coup c'était ma petite jarretière en simili cuir en forme avec un cœur et tout. Je la montrerai plus tard de toute façon parce que j'ai déjà monté la rangée comme une teubée. Et après je vais monter du coup filmer ma vidéo qui est censée sortir demain sur mes objectifs 2021. Voilà. Recoucou, je vous prends, il est 18h, tous mes montages sont à jour, les garçons sont en train de regarder les Minions 2, le retour des snaps, pour dire merci à Babe, c'est Babe qui m'envoie des snaps et qui fait du bruit, voilà. Qu'est-ce que je veux dire, voilà, du coup j'ai fait ça, là je vais commencer à préparer le dîner, là c'est Millie, allez-y c'est tout le monde, allez hop hop hop, il manque plus que mon chat et tout le monde aura répondu. Bref, du coup je vais aller faire le dîner et peut-être préparer d'autres trucs pour les goûter et tout demain, et voilà, je vous montre ça. Bon, je vous reprends, et ça en fait c'est des morceaux de tortilla comme ça qui ont séché, parce que bah, le paquet est ouvert, et du coup j'ai mis un petit peu d'huile et des épices, les épices de votre choix, j'ai rajouté des graines de sésame, et j'enfourne un petit peu, je regarde visuellement jusqu'à ce que ça ait l'air un peu croustillant, et après ça fait des petits chips, c'est trop bon. Voilà, petite astuce, zéro déchet, non gaspillage. Je crois qu'on a deux petits monstres tout assoupis. Recoucou, je vous reprends, il est 20h40 et là je vais goûter une petite pâte de fruits comme ça. C'est les pâtes de fruits aux figues que Millie m'a offert dans mon swap de Noël. Et je m'aurais envie d'en goûter une, donc je vais goûter ça. Je vais l'ouvrir là parce qu'avec une main c'est pas simple et je vous remontre ça et je vous dis ce que j'en pense. Alors, du coup, verdict déjà, elles sont moelleuses comme il faut là, avec de la résistance quand même. Elles sentent trop bon. Elles sont vraiment très bonnes. Je suis pas démaquillée hier, moi. C'est quand j'ai failli venir en pyjama.
Je fais mon jogging et un truc, mais c'est inempli. Moi, je pense que ça va être ma tenue du jour. Sauf si on veut tourner vraiment un petit machin, j'en sais rien, ou un TikTok. Bref. Coucou les cupcakes, je vous reprends. On est le mardi matin. Il est 9h et je viens de me rendre compte qu'en fait, hier, je me suis endormie, j'ai oublié de me démaquiller. Voilà, ça faisait super longtemps. Pourtant, je pense tout le temps à le faire le soir. Ben là, non. Bref, il est 9h. Orphée et Tessé sont en train de prendre leur petit déjeuner là-bas. On a une Millie. Là, on va prendre un petit déj après. Là, on va se poser un peu. Doudou va pas tarder à se lever, je pense. Orphée n'est toujours pas à l'école parce que j'ai fait le traitement anti-poux hier. Et du coup, je vais en refaire un aujourd'hui au cas où. Voilà, de toute façon, son maître était absent hier. Donc, je me suis dit, ça se trouve, il n'est pas là aujourd'hui. Enfin, du coup, il aura raté qu'un jour et pas deux jours, si, même s'il est là. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et voilà. Du coup, je vous laisse là et je vous emmène au fur et à mesure de la journée. Je vous prends, il est 19h30, j'ai pas vlogué de la journée quasiment, je suis désolée. J'ai passé la journée à chill avec Millie, avec Nora Nyanya, on était HS. Donc elle a acheté pas mal de petites choses au Carrefour Market et on s'est fait un repas, lunch, goûter. Un peu un mélange des deux, voilà, ça nous a fait grave du bien. On a papoté, on a fait un petit peu de bugeot. Tranquille, les enfants ont bien fait leur sieste et tout. Là j'ai fait de la vaisselle en enlevant mon attel et j'ai super mal. Donc je vais ranger ça petit à petit. Et je vais pas tarder à faire manger les enfants du coup. Tranquillou quoi. Et surtout, elle m'a ramené ça. Ça fait du bien. Quand j'aimerais que j'ai encore plus envie de cette merde là. Et là, je suis contente, je m'en reste un peu. Oui. Oui. Bref, voilà. Bah écoutez, je vais continuer à faire tout ça et je vous emmènerai un petit peu. Soit ce soir, je suis pas sûre. Sinon, je vous reprendrai demain. Et voilà, voilà. Toutes mes cupcakes. Coucou mes cupcakes, je vous reprends, on est le mercredi matin, j'ai envie de me lever. Et comme vous pouvez voir, les garçons étaient levés juste avant, ils ont sorti leur pâte à modeler. Il est 9h30, j'avais la flemme donc je suis restée au lit. Parce qu'aujourd'hui j'ai très mal aux reins et au ventre avec mes règles. Là j'ai envie de me faire couler du coup un thé. Et Millie, ma sauveuse hier, m'a ramené une nouvelle bouilloire. Donc là je suis super contente, ça va beaucoup plus vite que de me le faire chauffer à la casserole. Ou au micro-ondes où l'eau n'est jamais chaude pareil partout, j'ai l'impression. Bref. Je vais mettre un peu sur le PC et faire un peu le montage de ça et noter un petit peu du coup ce que j'ai à faire tranquillou bilou. Re-coucou, je vous reprends, il est je sais pas quelle heure. Et moi je suis un peu au lit parce que j'ai mal à mon foie et regardez qui m'a rejoint pour faire des câlins. Elle est trop mignonne. Regardez, il ressemble à ça les petits biscuits de Doudou, enfin les petits gâteaux, ils sont trop mignons. Regardez, on dirait pas des mini muffins. C'est trop chou. Merci amour. Il est trop mignon. J'ai hâte de goûter ça. J'ai mis une photo à Insta. Miam miam miam, voilà mon repas du midi. Des edamame, des petites carottes, des pommes et du pain. Et oui, les edamame, on dirait que ça fait beaucoup, mais vu qu'il y a plus de cosses que de graines, puis je suis pas sûre de tout manger, mais au moins j'ai ce qu'il faut. Et ça, c'est parfait quand j'ai mal à l'estomac, juste des crudités ou des légumes et du pain blanc. Nickel. Tu fais des pancakes ? Oui. Une pâte à gaufre. Une pâte à pancakes. Re-coucou, je vous reprends en fin de journée, je suis avec Doudou, j'ai enlevé mon attel parce que je sors de la douche. Je viens de nous faire un petit toast chacun de faux gras avec un petit peu de cornichon. Je vais manger ça et moi je vais aller me coucher parce que vraiment la journée c'est... J'ai pas... Doudou m'a pas vu de la journée quasiment mais... Je me vide de mon sang et il en a été témoin tout à l'heure, magnifique. Et du coup là les enfants sont fatigués, ils vont un petit dessin animé tout ça. Je vais lâchement les abandonner, j'abandonne le navire et je vais me coucher. Bon, je vous laisse là et je vous dis à demain. Ah,
et sinon Doudou il va sûrement tester la machine à pâte tout seul parce qu'il a vraiment très envie et du coup j'ai pas envie de lui dire attends moi machin ça repousse donc autant que là il fasse ça tranquillou. Une fois que les enfants seront couchés et tout il aura le temps. Je sais qu'il est plus productif le soir en plus alors voilà. Donc il me fait la vaisselle. Amour, tu feras la vaisselle ? On n'a plus d'eau. Tu feras la vaisselle ? Et tu nettoieras dans ton lit. Il manque beaucoup de choses en peu de temps. D'accord. Ok, il l'a dit dans le vlog, il a dit d'accord. Donc, c'est pas fait, on lui criera tous dessus. Et en commentaire, je compterai sur vous. Je vous reprends, du coup, il est 19h30. Retour des snaps, je suis au lit. Et je vais manger une choco grenouille parce que j'ai très envie de chocolat quand j'ai mes règles, ça réconforte. Et Minnie m'a dit que c'était bon, maintenant que je l'avais entamé, je vais quand même la goûter. Je vous dirai sûrement ce que j'en ai pensé, je vous laisse là et je vous reprends après. Il est 23h réellement et je suis en train de bouffer des cookies crisps dans la cuisine. Les cupcakes, je vous reprends, on est le jeudi matin, enfin midi, il est 11h15, là Doudou est en train de manger, il va pas tarder à partir au travail, les garçons sont en train de faire du dessin, j'ai toujours pas mis en fait à l'école parce que je préférais attendre, j'ai refait une vérification pour un passage de peigne et tout, et ce soir je refais un lavage, et je l'en mettrai au pire demain ou la semaine prochaine, je préfère qu'il ait raté 3 jours d'école, mais au moins être sûr qu'il a plus de pouille, qu'il en a plus à la maison, plutôt que de le remettre, qu'il en ramène, enfin bref, que ça soit l'enfer pour tout le monde. Donc voilà. Et là du coup il me reste 2 heures avant que mon ami arrive. Du coup il faut que je me lave, il faut que je m'habille, me maquille, et il faut que je finisse de passer l'aspirateur, faire la vaisselle, et il faut surtout que je prenne un petit déjeuner entre temps. Voilà, let's go. Coucou les cupcakes, je vous prends, il est 19h15, est-ce qu'on en parle, que c'est le pire jour de vlog de tous les temps. C'est-à-dire que je crois que j'ai vraiment rien vlogué à part ce matin de vous dire que j'avais commencé le vlog. Voilà. Mon chat est venu cet après-midi, enfin mon ami du coup que j'appelle mon chat est venu cet après-midi. Et je vous ai littéralement abandonné en fait, je suis désolée. On a papoté, on a fait n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on est resté là à parler, assis comme des teubés, mais... Et ben voilà, j'ai oublié du coup de vous vlogger, mais je vlog quoi? On est assis comme des teubés et on papote. Voilà. Sinon j'ai fait des gaufres là au goûter, j'aurais pu vous le montrer, mais j'y ai pas pensé parce que du coup j'étais dans la lancée où j'ai pas vlogué de la journée, donc du coup bah, j'y pense pas directement. Voilà, voilà. Et en plus ce soir j'ai pas grand chose à vous montrer parce que je pense qu'on va manger les restes. Il reste du couscous pour Doudou. J'ai fait des artichauts, j'ai fait cuire des artichauts hier, donc du coup bah là ils vont être bien frais, donc on va pouvoir manger ça. Et voilà, pire vlogueuse ever, vraiment. Je suis vraiment désolée. Bref, en plus aujourd'hui j'ai mis ma tenue rouge de la flemme là. Ou rouge, jupe rouge, collier, habillée. Parfait. Bref, j'étais un petit peu moins fatiguée qu'hier, donc déjà c'était cool, j'ai pas eu trop mal à mon ventre. J'ai fait attention, j'ai mangé que des trucs légers. Là, ce soir, c'est pareil, ça va juste artichaut, je pense que ça devrait être cool. Pas trop gras, pas de grignotage, rien. Ça devrait le faire. Et du coup, je pense qu'avec 12 ans, on se posera dans une série, si on arrive à poser les enfants comme il faut. Et voilà. Écoutez, je pense qu'Orphée ira à l'école que la semaine prochaine. Je préfère qu'il ait raté 3 jours d'école. Pour être sûr qu'il n'ait pas de poux, qu'il soit bien débarrassé, qu'il n'enfile pas à ses camarades et tout, plutôt que de le remettre trop tôt et qu'il n'y ait pas. Donc du coup, là, en fait, on avait fait un shampoing avant-hier, hier on n'en a pas fait, j'ai repeigné au peigne à poux, et je pense que là, soit ce soir, soit demain, on refait un dernier soin au cas où, et voilà. Parce qu'en plus, vu que dimanche, il y a les copines qui viennent jouer pour l'anniversaire et tout, comme ça, je vais être sûre qu'il n'y a rien du tout. Et voilà, voilà. Et ben écoutez, c'est tout. Je vais essayer de vous emmener un petit peu avec moi, mais là, je pense que je vais... visio un peu avec Millie, donc voilà, voilà. Le doudou mange un artichaut. Oui. Vendredi matin, il est 9h du matin. Du coup, je suis avec les titis, ils sont levés tous les deux. Là, ils voulaient un biberon de lait chaud et j'avoue qu'il fait un peu frais ce matin, donc je les comprends. Je viens de me faire chauffer un thé à la menthe. Je vais partir sur du montage. Niveau ménage, aujourd'hui, j'ai rien à faire à part peut-être d'étendre le linge s'il est totalement sec et étendre la prochaine que j'ai fait tourner du coup en plus. Et un petit brin de vaisselle quotidien comme tous les jours, mais sinon, rien d'exceptionnel parce que tout est fait à jour.
J'ai fait une genre de petite pâte à pancake express avec des flocons d'avoine, des graines de chia, un peu de cacao, du lait d'amande et du sirop de coco. Et là, je suis en train du coup de faire cuire à la poêle. Ça me fera 2-3 petits pancakes protéinés. Voilà. Cupcake, je vous reprends, il est 14h, j'ai pris une bonne douche, j'ai fait un masque, un gommage, je me suis coupé les ongles, bref, la totale, ça m'a fait trop du bien. Du coup, ce midi, j'ai mangé, comme je vous montrais, des petites pâtes au curry, des petites boulettes aux légumes qu'on n'avait jamais goûtées, c'était très bonne. Thésée les a adorées, Orphée moins, mais lui souvent, les boulettes comme ça, c'est pas trop son truc, donc voilà. Là, ils jouent sagement ensemble à la dinette et à la pâte à modeler dans le salon, donc tranquillou bilou. Moi, j'étais montée parce que j'ai oublié mes pilou pilou dans la chambre. Et je pense que je vais appeler Milly. Non mais regardez, Papel, elle monte, elle se met devant le four vu que c'est en train de cuire. Pour se réchauffer. Culinette. Recoucou, je vous reprends, les 21h, regardez avec qui je suis. On voit plus beaucoup. Henri Salvador. Non. C'est pour ça qu'on le voit plus beaucoup. Arrête, en plus, là, la façon dont tu filmes, on dirait un gros tas encore plus que d'habitude. Oui, bah moi aussi, genre, regarde. Non, bien sûr. Regarde, tu mets les mots. Oh putain, il y a une vidéo qui s'est mise en route. Frère, taisez-vous. J'ai réussi à faire taire la vidéo finalement. Du coup, je disais, il y a Doudou derrière. Et là, j'ai fait cuire mes tomates farcies. Et on va aller manger parce que je crois que Doudou, il a faim. Oui. Il y a Papel du coup sur son papa comme toujours. Et je pense qu'on va faire ça et on va sûrement se poser dans une série. Peut-être ça serait cool. Un petit épisode d'Atypico, le New Girl, un truc comme ça. Moi ? Un truc sympathique. Ou alors Rigueur. My Little Pony. Murder ? Dans le même style ? My Little Pony ? Ouais, si tu veux, ça fait longtemps. Voilà, je pense qu'on va se mettre devant My Little Pony. Par contre, je sais plus où on en était. On va tout recommencer. Vous avez pas vu ça dès le genre. Mais non, on avait bien avancé. Mais je sais, je rigole. On va retrouver. Mais je sais, qu'est-ce que c'est qui se passe après. Ah oui, je sais. Bref, du coup, je vous emmène, je vais vous montrer ça. C'est le bordel, j'ai fait beaucoup de vaisselle. Et malgré ça, j'ai encore un évier, vu que je vous ai dit qu'il n'y a plus de la vaisselle. Et là, j'ai sorti ma lessive, je ne l'ai pas été l'étendre. Donc, il faut que je fasse ça aussi avant de me coucher. Du coup, voilà mes tomates farcies. Du coup, je l'ai fait avec le haché végétal. Toujours comme d'habitude, des oignons. J'ai pas mis de carottes, j'avais flemme, un petit peu d'ail. Et ce coup-ci, j'ai pas mis du riz, mais des perles de blé. Voilà, je trouve ça super bon. Celles du dessus, elles sont un peu sèches, du coup, parce que j'ai mis du bouillon, mais là, j'avais laissé finir de cuire. Et moi, ça me gêne pas, j'aime bien quand c'est un petit peu comme ça. Donc voilà, on va se régaler. Bon appétit! Je vous reprends. J'ai mangé un petit peu de ma tomate farcie, j'en ai mangé une demi à peine. Mais j'avais très envie de finir sur une dose sucrée, du coup je vais prendre un petit bonbon en pamplemousse, ils sont trop bons. Milly me les a offerts cette année dans mon swap de Noël et je les adore. C'est les Kiss Me Softly, c'est des petits bisous. Et ils sont trop bons. Et je sais que Doudou me les piquera pas, déjà Doudou n'est pas très bonbon, mais alors des bonbons en pamplemousse, il me les piquera pas. My little pony. Bref, je vous laisse là. Il neige! C'est trop bien! Est-ce qu'elle peut attraper un foucou? Coucou, Boubouille! Ah oui. Pourquoi t'as un cadeau, Bouille? Parce que quoi? C'est quoi aujourd'hui? C'est un cadeau. Un cadeau de quoi? De l'Annie. Anniversaire. C'est trop mignon. Et papa. Regarde. C'est un puzzle. Waouh. Oui. Tu vas pouvoir faire des puzzles avec maman? Maman, tu vois? Maintenant, je veux les voir.
coup, je vous reprends, il est 16h et comme il neige beaucoup dehors, les garçons sont prêts à aller jouer un petit peu dehors. Donc ils ont des bottes, des pantalons, des polaires, des moufles, nickel. Et voilà, je vais aller prendre un petit peu en photo dehors et vous montrer un petit peu comment ils s'amusent. Ils sont trop trop hâte. Donc c'est parti, moi j'enfile ça, juste une petite robe de chambre le temps de les accompagner. Après je refermerai la porte et s'ils ont besoin, comme d'habitude, ils toquent à la porte juste à l'entrée. Et je leur ferai des petits biscuits et un chocolat chaud pour le goûter. Voilà, je vous emmène. Vous êtes content? Vous pouvez ramasser, vous pouvez faire un bonhomme de neige, hein? Recoucou, je vous reprends, il est 17h20. Les enfants, du coup, ils ont bien joué, ils sont rentrés, ils ont pris un biberon chaud et tout parce qu'ils avaient trop envie d'un lait chaud. Et moi, du coup, je suis en train de me prendre un thé vert à la menthe et des petits biscuits comme ça que j'ai fait hier. Et j'attends ma copine Dora. Voilà. Et je trouve ça trop beau là, la neige en fond. J'aime trop, je suis trop contente. Bref, vous me direz si vous aussi il a neigé chez vous en commentaire. Genre, ça m'intéresse. Je voudrais savoir où il a neigé à peu près. Je sais plus ce que j'allais dire. Écoutez, je vous emmène avec moi. De toute façon, je vous montrerai un petit peu ce qu'on va manger et à quoi on va jouer ce soir avec Dora. Et voilà. Recoucou les cupcakes, je vous reprends. Il est 19h. Du coup, je suis avec Dora, toujours dans l'ombre derrière là-bas. Oui. On connaît sa voix, mais on connaît pas son visage. Tintin. Ouais. La femme mystère. Et du coup, ben là, je vais vous montrer parce que du coup, ben, on fait une petite soirée pyjama, entre guillemets, enfin, genre potin et petit grignotage qu'on aime bien se faire. D'ailleurs, je suis contente parce que je trouve que du coup, ces derniers mois et tout, on a réussi à se voir plus qu'en plusieurs années. Donc voilà, c'est vachement cool. Du coup, je vous montre ça, on va manger ça tranquillement. Et en plus, regardez, comment ne pas être heureuse. C'est de la Monster blanche, les gars. Bref, je sais, je vous saoule avec ma Monster à chaque fois. Et voilà, du coup, je vous montre le petit plateau trop mignon. Et puis voilà, c'est tout. À toutes. Je voulais montrer le paquet des M&M's en disant la tradition est sauve avec Dora. Et vu que je suis très douée, bah, j'ai tout renversé. Voilà. Miam miam. Et en plus, du coup, on joue à ça et c'est trop drôle. Voilà. Coucou les cupcakes, je vous reprends. On peut dire qu'on est le dimanche matin parce qu'il est littéralement 2h du matin. Dora vient de repartir. On a papoté de tout, de rien comme d'hab. On a refait le monde ensemble. On a parlé de tatouages, de piercing, d'Harry Potter, de tout, tout, tout. On adore. On papote, et après fait ouh, je reviens quand même tout à l'heure pour l'anniversaire de TZ, faudrait peut-être que j'aille me coucher. Je fais ah oui, en effet, parce que moi je vais me réveiller à 7h38 les gars, il faut que j'installe la déco, que je fasse les gâteaux, que je prépare le repas du midi et tout, donc voilà. Mais vous voyez, je pète assez la forme, donc je pense que je vais monter avec Doudou qui est déjà au lit depuis longtemps, il nous a abandonné depuis bien longtemps,
Et du coup, bah, je vais monter, je vais me mettre un petit peu Netflix, je pense, et je vais me coucher comme ça. Et bah, je vous reprends du coup juste après. Et je vous montre ça un peu, l'avancement de la déco pour l'anniversaire de mon petit boubouille qui fête ses 3 ans. Il est trop content, il a pas arrêté de répéter « c'est mon anniversaire !» Puis ça va, vous voyez, j'ai que le petit truc là-bas de vaisselle à faire avec le wok. Donc je suis ok, j'ai tout rangé là, tout est propre. Donc demain, plus qu'à passer un dernier petit coup de balai avant que les gens arrivent, préparer les gâteaux et le repas du midi du coup. Et voilà, ça va le faire tranquille. Je vous laisse là, à toutes. Recoucou, je vous reprends dans le box, il est 8h30, je viens de me lever du coup, et là je vais aller chercher du coup les décorations pour l'anniversaire à Thésée, etc. Pour les descendre dès maintenant, parce que c'était proche de ma chambre, plutôt que de descendre, de remonter, de descendre, de remonter, bref, vous avez compris je pense. Et du coup bah, je vais aller faire ça, prendre mon petit déj et préparer du coup petit à petit tout pour l'anniversaire de Boubouille. Et je vous emmène avec moi, voilà. Vous avez vu qui c'est qui est arrivé, wesh? Contente. Moi ici. Ça manque de paillettes un peu. Ah, moi j'ai pas eu le courage de faire un ravalement de façade. Hein. Thank you.